Fifty languages. Forty. Quarante. Quarante. Asking for directions. Demandez le chemin. Demandez le chemin. Excuse me. Excusez-moi. Excusez-moi. Can you help me? Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous m'aider? Is there a good restaurant around here? Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours? Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours? Take a left at the corner. Tournez à gauche au coin de la rue. Tournez à gauche au coin de la rue. Then go straight for a while. Ensuite, allez un peu tout droit. Ensuite, allez un peu tout droit. Then go right for a hundred meters. Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. You can also take the bus. Vous pouvez aussi prendre le bus. Vous pouvez aussi prendre le bus. You can also take the tram. Vous pouvez aussi prendre le tram. Vous pouvez aussi prendre le tram. You can also follow me with your car. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. How do I get to the soccer stadium? Comment vais-je au stade de football? Comment vais-je au stade de football? Cross the bridge. Traverser le pont. Traverser le pont. Go through the tunnel. Passer par le tunnel. Passer par le tunnel. Drive until you reach the third traffic light. Allez jusqu'au troisième feu de signalisation. Allez jusqu'au troisième feu de signalisation. Then turn into the first street on your right. Tournez ensuite à la première rue à droite. Tournez ensuite à la première rue à droite. Then drive straight through the next intersection. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. Continuez ensuite tout droit Au prochain carrefour. Excuse me, how do I get to the Excusez-moi. Comment vais-je à l'aéroport? Excusez-moi, comment vais-je à l'aéroport? It is best if you take the subway. Le mieux, c'est de prendre le métro. Le mieux, c'est de prendre le métro. Simply get out at the last stop. Descendez simplement au terminus. Descendez simplement au terminus.